Արցախյան ներկայիս պատերազմի և Եվրոպայում հայերի կողմից կատարված ակցիաների մասին այսօր կզրուցենք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Բասմաջյան։ Buenos días. Merci pour cette interview que vous allez faire aujourd'hui. Et puis je voulais aussi remercier tous les sympathisants qui regardent votre télévision jour après jour. Bien, alors j'attends vos questions. Dites-moi. Պարոն Բասմաջյան, Արցախում դեռևս շարունակվում են պատերազմական գործողությունները, Ֆրանսիան որոշակի քայլեր ձեռնարկեց հաշվի առնելով պատերազմական դրությունը այստեղ։ Հայերը ակցիաներ իրականացրեցին եվրոպական տարբեր քաղաքներում, ինչպես նաև Ֆրանսիայում։ Հաշվի առնելով սա, խնդրում եմ ներկայացրեք, ինչպիսին է հիմա իրավիճակը Ֆրանսիայում։ Bon, la France a pris une décision de neutralité. La neutralité, ça veut dire que ils ne veulent pas prendre parti ni dans un camp, ni dans un autre. Mais ça, c'est officiellement et au niveau des États. Mais d'une manière officielle aussi, le président Macron a soutenu le peuple arménien. Et ça, c'est très important. C'est important moralement pour l'ensemble de la société arménienne de France. Ça peut être aussi important pour les autres Arméniens de par le monde de voir qu'un président soutient la cause arménienne, même si officiellement elle garde une neutralité dans le cadre de Minsk, puisqu'elle fait partie des trois pays qui sont là pour être les médiateurs. Պարոն Բասմաջյան, կխնդրեմ նաև մեկնաբանեք, ինչպիսին է դրությունը հիմա Հարավային Ամերիկայում։ Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que soit l'Amérique du Sud, que soit les États-Unis ou que soit ailleurs de par le monde, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens font des manifestations qui sont pacifiques, que souvent ces manifestations ont pour rôle de faire connaître la situation de l'Arménie, la situation de l'Artsakh et la situation de la guerre pour pouvoir contrer la désinformation qu'il y a notamment au niveau de la presse en règle générale. Donc ces manifestations servent à corriger le tir pour ainsi dire, pour mettre l'accent sur ce qui doit être correctement dit. Par contre, c'est vrai aussi que les États, en règle générale, ne tiennent pas très compte de ces éléments-là parce qu'ils ont leur raison d'État et qu'ils ne peuvent pas simplement écouter les simples petites manifestations qu'ils ont chacun dans leur pays. C'est vrai que la voix générale qui se fait un peu partout dans le monde fait que les États regardent un tout petit peu plus près et qui commencent à connaître sur la question, mais ceci ne veut pas dire que les États vont forcément reconnaître l'Artsakh. Et je fais bien la différence entre le Haut-Karabakh et l'Artsakh et je m'expliquerai tout à l'heure. Պարոն Բասմաջյան, Ֆրանսիան որպես պետություն կարողանում է լիիրավ պաշտպանել իր քաղաքացիներին, ապահովել անվտանգությունը։ Bon, la France en réalité en tant qu'État prend toutes les mesures de sécurité pour ses citoyens dès le moment que les citoyens eux-mêmes font les démarches correctement, c'est-à-dire une association qui veut manifester signale ça aux différentes cercle officiel, police, gendarmerie ou préfecture, en signalant qu'ils vont faire une manifestation. Dans ce cadre-là, l'ensemble des manifestations sont sécurisées. Lorsque les manifestations se font sans avertissement aux différents officiels, ceci peut amener à une insécurité car les officiels n'étant pas bien au courant de ce fait peut s'amener à des débordements comme celle qu'on a vue sur l'autoroute qui était une manifestation qui n'était pas du tout organisée, ça a été tout simplement décidé en dernière minute pour faire le bruit.
Et ceci a amené ce que l'on connaît des suites de ce qui s'est passé avec justement ces quelques Turcs qui ont frappé à des Arméniens. Ceci, dans les autres manifestations qui ont eu lieu en France, n'ont pas donné lieu à ces types de manifestations. Donc ça veut dire la France, elle sécurise quand les différentes associations font les choses réellement comme il faut. Պարոն Բասմաջյան, այսօր հայերը եվրոպական քաղաքներում ինչ հիմնական խնդիրների են բախվում? Les villes européennes, et je dirais que c'est un peu plus, c'est toutes les villes en règle générale, ils ont le même problème par rapport aux Arméniens. Le problème numéro un, c'est qu'ils manifestent et en manifestant, font parfois le jeu de la Turquie. On le voit bien, là les Turcs commencent à se réveiller, ils commencent à envoyer des signaux très forts. Il y a eu aujourd'hui une attaque à Vienne. Ceci est inacceptable. En même temps, c'est inacceptable tout ce qu'on est en train de subir et le désarroi des Arméniens, en règle générale, est qu'ils ne savent pas par quelle voie et comment faire entendre les États pour qu'une reconnaissance de la SAR puisse être faite. Attention, quand je parle de reconnaissance, c'est au moins revenir à l'état à lequel nous étions avant le 27 septembre. C'est-à-dire toute cette surface-là, et non pas simplement le Karabakh, Nagorno-Karabakh, qui a été délimité par Staline. Donc, il faut bien comprendre que l'ensemble des États aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, en France, ils ont préparé une loi, enfin ils ont essayé au niveau de l'Assemblée, et lorsqu'ils parlent, je vais vous lire ça, ils soulignent le caractère exceptionnel du conflit au Haut-Karabakh, et ils affirment l'urgente nécessité d'aboutir à un règlement, ils affirment la nécessité absolue que le Haut-Karabakh assure sa pleine souveraineté. Or, ce texte disant comme cela, on parle du Karabakh des frontières de Staline et non pas de la SAR avec les frontières d'avant le 27 septembre. Donc c'est très très grave ce qui se passe parce que sous le couvert de soi-disant reconnaissance, la reconnaissance qu'on va obtenir, elle n'est pas du tout celle qu'on devrait avoir, parce que si cela arrive, cela voudrait dire la mort complète de tout le Karabakh et de tout l'Artsakh. Donc il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer, et ça c'est partout en Europe. On a en plus de ça un deuxième problème, c'est le Covid-19, qui empêche, là par exemple en France, à partir d'aujourd'hui, va empêcher toutes sortes de manifestations, et cela va être encore plus dur pour les Arméniens de pouvoir manifester leur désarroi vis-à-vis de tout ce qui se passe en Arménie aujourd'hui. Պարոն Բասմաջյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Merci à vous. Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանի հետ։ Կհանդիպենք։